was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist.
was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. Shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist.
was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Your suffering will be legendary even in hell. Hein, toujours cet éternel conseil de notre ami Pinhead que nous allons suivre encore une fois ce soir. Alors ce soir, hier nous avons terminé l'excellent Silent Hill Director's Cut en Enhanced Edition. Et là ce soir, c'est ce que j'avais proposé à ma solide communauté d'hier, c'était de se faire le sub-scénario. Bonsoir, bonsoir Nick Taras. Toujours fidèle au poste, fidèle parmi les fidèles, Nick Taras. Donc le sub-scénario Born From A Wish, que j'ai sottement intitulé Born To Be A Wish sur Twitch, mais que j'ai vite modifié avant le live. Hein, on fait ça bien. Donc voilà, on a terminé Letter From Silent Heaven, le main scénario, et là on va se lancer sans plus attendre dans Born From A Wish, qui je le rappelle, je ne l'ai jamais fait. On va le faire en normal, hein. On est des gens normaux, on va faire ça normalement. Donc je ne sais absolument pas de quoi il est question. I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Donc on a vraisemblablement, on va avoir Maria.
and live? Je sais que c'est à propos de Maria, mais bon. Do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? Donc voilà. Le sub-scénario commence comme ça. Marie qui se fait un peu de l'introspection. Là, il y a des cartouches. Et qui commence son aventure, en fait. Ça va être son petit scénario, son petit add-on. À l'époque, aujourd'hui, on appellerait ça un DLC. Bonsoir, Léa. Aujourd'hui, on appellerait ça un DLC, mais à l'époque, c'était gratuit. C'était gratuit sur le Director's Cut, que je n'avais pas. J'ai la version normale sur PS2, quoi. Et c'est vrai que je l'avais jamais fait, donc du coup, c'est l'occasion de se faire ce scénario consacré à Maria. Alors, j'ai pas bien compris, elle se sent seule, faut qu'elle trouve quelqu'un. On va éclaircir tout ça. Vous avez vu là la petite affichette ? Event Night. Alors, évidemment, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, nous jouons à, certes, le sub-scénario avec Maria, mais il a été retravaillé aussi en NN's édition, hein. Il est en 16/9 et tout le tout team. Hi, William. Just a few days ago, I finished this. Great. So, it's a good sub-scenario. Thank you. Thank you for the follow. I appreciate. Do you like it? Donc là, on est au Events Night. Hein. Je regarde vite fait. Là, voilà, c'est fermé. On va directement aller là où ça nous intéresse. En tout cas, elle a la classe. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Quelqu'un a mis du chewing-gum dans la serrure. Je ne peux pas l'ouvrir de ce côté-là. Ok. Donc, on pourra l'ouvrir de l'autre côté. Je crois que le verrou est cassé. Impossible de l'ouvrir. Et là? Oui, je vais faire attention aux balles perdues. T'as raison. Là, on a quoi? On a de la canette. Bon, on va déjà être paumé. Alors, elle a peut-être quelque chose sur elle, la Maria, pour enlever le chewing-gum. Hein. J'ai pas regardé son inventaire. Qu'est-ce qu'on a? On a des balles. On a un petit flingue de 10 balles. Facile d'utilisation, mais puissance limitée. Et on a la boisson énergisante. Bon, vous êtes d'accord que là, je peux absolument rien faire. Hein, hein? That's for sure. I like too much. That's awesome. Great. Thank you. I never beat it. This part of the story. Donc là, on revient sur nos pas, mais il nous faut quelque chose pour enlever le chewing-gum, je pense. Ou on peut sortir tout simplement par ici. Peut-être plus simple. Donc on se retrouve au Events... C'est quoi le nom exact? Event Night. Une trousse de soins. Ah, il y a un petit papier là. J'ai un couperet chinois. Alors qu'est-ce que c'est qu'un couperet chinois? Ah oui, d'accord. On a carrément... On a le coutelas de boucher. Thanks to you, William. It's kind. «
Are we gonna tell our joke in English now? No, on peut faire. We can make jokes in English or in French. It's okay. On peut faire des blagues en français et en anglais. No problem. I understand. I can read English and I can speak a little, a few. My English is not so well, but so good. But I understand when I read. Non, je dis que je comprends, j'arrive à lire quand même l'anglais. Donc là, on se retrouve avec la petite Maria, mais on n'a pas de but précis, hein. On va vite en découvrir un. Ah, elle regarde quelque chose. Il y a quelque chose là sur le track. Non, elle est juste épuisée. Non, c'est le phare. Qu'est-ce que... Non, non. Si, 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 voilà, il y a une boisson revigorante. It's perfect, Nori. Ok. If it's perfect for you, it's perfect for me. Did you play the game in Enhanced Edition? Because it's the Enhanced Edition just now. On va aller là, hein. Je lui demande juste si oh, vous comprenez l'anglais, j'ai pas besoin de traduire. J'ai rien à faire ici, ok. Je lui ai demandé s'il y avait joué en NN Sedition. On a un ami, William. On va essayer de se faire le mec avec le couperet chinois pour voir un peu ce que ça donne. Aïe! Il a pas apprécié. Bon, ça fait déjà avoir. Ça a l'air d'être bien puissant quand même, ça. Hein. À part quand ils font le mode larve. Moi, je suis tenté d'aller par ici. On va bien voir. Hein. De toute façon, tout va être, à mon avis, tout va être très vite balisé. Parce que c'est un petit scénario. Donc. Elle regarde quelque chose. Mais. Ah, voilà, les balles. C'est lent, j'ai l'impression. Ce petit couteau. Ouais, je vais utiliser les balles. Mais peut-être qu'on. Est-ce que je peux recharger? Non. Il est plein, là. C'est un petit scénario d'une heure et demie, je crois. Hein. Bon, avec moi, ça va durer 4 heures. Mais donc tout va être balisé, la carte va être relativement fermée. Il veut pas tomber lui, hein. Est-ce qu'elle met des coups de botte? Oui, aussi. Je voulais savoir. On va reprendre le flingue. Oui, mais c'est pour le plaisir. Je sais. C'est pour le plaisir. En fait, je voulais utiliser un peu le couteau. J'ai la manette qui vibre. Alors, c'est vrai que ça, c'est des émotions, des sensations que vous n'avez pas. Puis, je sais que le scénario est assez court. Donc, je me faisais un petit peu plaisir. Je vais arrêter. Là, il y a un truc à prendre. Hein. Non. Bon, pour l'instant, là il y a le parking. C'était très 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 brouillon, hein. Enfin pas brouillon, mais très vague, hein, ce qu'elle nous a dit en préambule, hein, qu'elle était toute seule. Du coup, c'est Marie en Maria, quoi. C'est la femme fatale qui. Elle représente le fantasme de ce que j'ai compris de James. Alors c'est curieux de l'incarner. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? C'est curieux d'incarner parce que c'est son fantasme en fait. C'est une femme bien portante, sexy, alors que sa femme ne l'était pas. Bah, sur la fin, elle ne l'était plus, disons. No, I'm not from Québec, I'm from Normandie, but I live in Paris. But I speak English. I'm speaking English every day with my wife. My level is not very high, but I understand little things. I'm forced because of my wife. She's Persian, so I have to speak English.
But she's learning French now. Je lui raconte un peu ma vie. Il me dit que j'ai un accent québécois. Vous le savez que j'ai pas l'accent québécois. Hein? Sinon, vous seriez pas abonné. Oh, plaisante. Non, ce soir, il n'y aura pas de philosophie. Et alors, du coup, je ne sais pas où aller. Oula, vous avez vu comment je suis passé entre les deux? Oh. Ah, je regarde un petit coup la carte. Hein. Là, on est là. Bon, on va aller directement dans la rue principale. Je sens que là, on est en train de se perdre. No philosophical literature tonight. Ah, petite trousse de soins. On fait nos emplettes. Ah, mais pas, je sais que, enfin, je n'ai eu aucun retour, je n'ai rien lu à propos du scénario, je sais juste parce que ça concerne Marie, parce que j'ai été chercher une vignette pour Instagram et puis pour faire l'annonce, quoi, que j'allais jouer à ça, mais sinon je ne sais rien du tout de cet add-on. Hein. Je sais pas où on va, je sais pas si c'est bien, donc faudra pas m'en tenir rigueur. Hein. Ça fait très bizarre d'incarner Maria. Alors, Léa nous a répondu. Personnification de l'idéal de James, oui, mais comme je n'ai jamais fait Bornfoy, je ne sais pas non plus là. Attends, je vais finir de te lire en m'écartant. Ah, il y a une porte. Ok. On va être un peu tranquille. Je ne sais pas non plus la raison de sa présence. Est-elle réelle? Appartient... Oh là, putain. Je vais finir de te lire après. Ah là, ils se transforment tous en limaces après. Hein. Allez, on rentre. Voilà. Là, on va être plus tranquille. Là, c'est safe. Là, c'est safe. Alors... Je ne sais pas non plus la raison de sa présence. Est-elle réelle? Appartient-elle à cette ville? Ou est-elle censée... Ou est-elle coincée dans un rêve? Désolé pour le pavé. Non, 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 pas de souci. Au contraire, ça me fait plaisir. Parce que je ne l'ai jamais fait non plus. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Là, on est rentré. Je ne sais pas où, mais on est rentré. Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir. En fait, ils ont rajouté une portion sur la carte. Tout simplement. Bon, j'essaye de... Là. Là, on peut rentrer. Normalement, je peux recharger. Hein. Voilà. Alors là, c'est génial. Là, on a vraiment quelque chose que je n'ai jamais joué. Je suis jamais venu là. C'est comme si c'était un Silent Hill que j'avais pas fait. Très plaisir. Hein. Du coup, on peut débloquer. Non. Alors, vous m'excuserez, j'aime bien marcher. Hein. Do not use sur la cheminée. Ah ouais. Ah, j'ai vu. Ah, j'ai vu. Je vois maintenant que tu me le dis. Alors évidemment, je vais aller lire le petit papelard avant. Mais j'aime bien marcher, elle est gracieuse. Voilà, on a le plan. Alors on est où là? J'ai la carte alors, de la maison Baldwin. Je crois pas que le jeu faisait référence à des Baldwin. Hein, Donc on a fait ça. Hein, le jeu faisait pas référence à des Baldwin. C'est tentant quand même, hein, ça, cette histoire, do not use. La cheminée condamnée, ne pas utiliser est inscrite dessus. Bon, on peut rien faire de spécifique. Ah, long time ago you was in France? Great. Where? Bon, on va faire tout le premier, enfin le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui nous manque là? On a fait ça. On n'a pas été voir là-bas. J'ai envie de faire tout dans l'ordre, hein, parce que vous savez bien que quand on débloque un objet, après, c'est bien utile. Voilà, on va attendre. Ici, c'est fermé. Explorons ensemble, oui. Je crois que le verrou est cassé. Comme ça, on en a le cœur net, parce que si on avait trouvé une pile, ou vous savez bien, un pins qui va nous servir à réparer un moteur, après, on est dans la mouise. Et personne n'a envie d'être dans la mouise. Ah, you was in Paris, great. As me now.
Donc on va monter à l'étage. Encore des balles. Décidément, je n'ai pas souvenir, à chaque fois je vous le dis, mais je me répète. Pas souvenir que le jeu donnait autant de balles et autant de soins. Curieux. Hein. Oui, je marche, hein, très élégante. Donc là, on a quatre portes. On va commencer par celle la plus à droite. C'est verrouillé, donc on pourra l'ouvrir. Cinématique. Is somebody there? Open up. Hello? Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Utama. Can you open the door? No. But why? Moi, c'est clair. Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh. I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. Ah, okay. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? There's no one here. Just monsters. Just monsters. Yes, I know. So what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. We are all monsters inside. T'as complètement raison. Bon, là, on a affaire quand même à un sacré misanthrope. How can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us, hopelessly insane. Eh oui. Plus ça. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name? T'es en forme, nique ta race, hein. Ernest. Hemingway. Baldwin. Ah, c'est sa maison. C'est sa Ernest. Maison. It's his house. I'll be back. Bon, Ernest, il veut pas nous ouvrir la porte, hein. Il reste dans sa petite chambre. Mais il a pas l'air surpris qu'il y ait quelqu'un dans sa maison. Donc on a tenté celle-ci, c'était Ernest. Non, ah non, je suis en train de refaire la même. Ernest. Are you here? Are you there? Are you there? Sorry. No. I guess not. Bon, Ernest, il veut pas nous répondre. On va tenter là. Oula. Je check l'autre pour être sûr, hein. Voilà. Bon, lui, on va se le faire à l'ancienne. Voilà. Avec le petit coup dans les couilles qui font du bien. Là, on va repasser ici. On va checker plutôt... Ah, il est revenu. Bah, c'est... J'aime bien sa façon de recharger, hein. Je vous lis, hein, je vous lis. Ah bah d'accord. Donc on est là, il y en a un qui va nous... Je pense qu'on va retourner sur le premier pour aller dans le lounge, dans le salon. On va essayer de faire dans un ordre qui, je pense, est le mieux. Alors, peut-être que je vais encore me tromper, hein, comme bien souvent. Mais... Ouais, regardez. Là, il y a une petite carte. J'ai une plaque blanche. Alors, on va checker ce que c'est.
Déjà, je suis dans la mouise au niveau vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Plaque blanche. Plaque métallique blanche percée de trous carrés. Trouvée dans le hall d'entrée du deuxième étage. On peut vraiment l'examiner bien, quoi. Bon, maintenant, si on faisait le jeu, on pourrait... Ah, attendez, il y a quelque chose. Une fois la laine blanche découverte, je consacrais cette chose. « Ô esprit du brouillard, accorde-nous la fortune éternelle !» est écrit au dos. J'allais dire, aujourd'hui il sera en 3D, on pourrait le faire tourner sur lui-même. C'est curieux, il y a une petite manivelle là, vous êtes d'accord? Bon allez, on va aller de l'autre côté. On a bien fait de passer par là, vous voyez, on a la petite plaque blanche. C'est verrouillé. Quoi, ça peut bien servir une petite plaque comme ça, c'est curieux. Hein. Je regarde vite fait ma map. C'est que des portes verrouillées. Si on redescend, on va être encore si on redescend, on... Je regarde à nouveau, qu'est-ce que ça peut être ça? Une fois la laine blanche découverte, je consacrais cette chose. La laine blanche découverte. Ô esprit du brouillard, accorde-nous la fortune éternelle. C'est un truc pour mettre des photos? On dirait un espèce de petit pied, vous savez. Bon, ça ferait des toutes petites photos. Oh. Au moins j'ai une idée. Moi, j'essaie d'avoir une idée. Ah! Vous avez entendu? Il s'est tiré une balle? Non, j'ai entendu quelqu'un courir, là. Ah, voilà. La plaque est tombée. Étrangement, il y a une échelle dans la cheminée. Je vois comme une espèce de trou dans le conduit. Monte à l'échelle? On va retrouver notre plaque. J'ai une plaque rouge. J'ai une plaque noire. Alors, il y a un emplacement carré au centre de la pierre tombale. Et au-dessus, une épitaphe soigneusement gravée. Toute joie a disparu avec toi. Il ne reste plus que désespoir et lendemain sans intérêt. J'ai pas le temps de le lire là. Mais je n'abandonnerai jamais pour revoir ton sourire. Pour supplier la bénédiction des dieux, j'attends ce jour. Quand tous seront couverts par les plaques, alors la tristesse aussi sera couverte. Mais tant que mes rêves ne deviendront pas réalité, je devrai supporter la douleur. Une clé est encastrée dans la pierre sous l'emplacement. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à la décoller. D'accord? Qu'est-ce que vous m'avez écrit? Je vois bien cette plaque posée sur un texte avec des mots magiques qui apparaissent dans les trous. I figures... Ok, après tu traduis très bien. Oui. Pas bête. Oui. Ça c'est complètement... Comme quand on était gamin, il y avait des jeux comme ça. Ça me rappelle ça. Je jette un œil aux plaques. Donc ça c'est la première que nous avons eue, la noire. La seconde, on dirait, vous savez, les trucs juifs là, le chandelier juif à cette branche. Une fois le Graal des ténèbres découvert, je consacrerai cette chose au maître de la mort, accorde-nous la fortune éternelle. Le chandelier, cette branche. Une fois les mots cramoisis découverts, je consacrerai cette chose au dieu assoupi, accorde-nous la fortune éternelle. Écrit au dos. D'accord. Bon, je pense que là on a fait le tour. Hein. Allez, je descends. Bon, du coup, là, il va falloir qu'on... Je vais faire une petite save, déjà. Il va falloir qu'on utilise ces trois... Vous avez vu, le fond a changé. Hein, avec... C'est la photo de Maria, c'est très très bien. Très plaisir. Donc, c'est toujours verrouillé.
Donc pour résumer, vous avez vu son petit tatouage, le papillon sur la hanche. Je suis sûr que Léa a le même. Il n'y a rien dedans, dommage. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc là, on avait checké, tout était fermé, hein, voilà. Donc ça sert strictement à rien de revenir ici. Ici, c'est pareil. Là, c'est cassé. Là, on ne peut que monter. Là, il n'y a rien. Un chandelier, un livre et un triangle, église. Marie look like a dead Uma Thurman. Oui, elle a un petit peu le style. Donc là, non, on ne peut que monter, hein. La suite est forcément à l'étage. Tout est fermé. Alors, est-ce que Ernest nous répond maintenant qu'on a récupéré des choses? Ernest? Ernest, Are you there? are you there? Et voilà, j'apprends vite. No, I guess not. Guess not. Donc là, ça va nous de... Là, c'est fermé. Donc voilà, bon, c'est forcément maintenant, on a un truc à faire ici. Voilà. Là, on n'a pas le choix. Mais là, je trouve ça curieux, vous voyez cette petite manivelle là? Ici, là? Qu'est-ce que c'est? On peut rien faire en plus. Non, non, il n'y a rien. Je trouve ça curieux. Ça fait un... Y a un côté Resident Evil là, hein. Ernest en agro, oui. En agro sur la patate. Sur la patate. Ernest, il en a gros. Bon, en même temps, j'habiterai une ville comme ça. À un moment donné, j'en aurai gros. Hein. J'en aurai aussi gros sur la patate. C'est verrouillé. Qu'est-ce que vous me proposez là? Moi avec mes trois plaques. Y a quelque chose qu'on a loupé, hein. Je vais regarder le tableau. Je vais regarder la carte. On est là. Bon, j'essaie d'utiliser les plaques pour ouvrir des portes. Ce serait bien nouveau. Parce que, par exemple, celle-ci, elle est verrouillée, quoi. Mais bon, il n'y a aucune raison. Fais jouer les rimes. Essaie donc de mettre une palque sur la pierre tombale. Putain, c'est vrai que la pierre tombale, je l'ai complètement zappée comme ça, alors que... Qu'il y avait la clé. Je suis complètement con là ou quoi? Évidemment, fou lolo lolo lolo. C'est le stress. On est cinq, j'ai peur. C'est ça qui se passe. On est 5 sur le chat, j'ai peur. Non, mais c'est ça en plus. Il va falloir qu'on mette les trucs sur la pierre tombale. Je sais pas pourquoi je me suis barré. On tente la première. J'ai mis la plaque blanche sur le trou. Pourquoi j'ai pas fait ça? Fou, je suis fatigué, hein, peut-être aussi. Hein. Donc là, ça nous met du vert. Bon, pourquoi pas. Il va falloir qu'on arrive à faire un dessin, quelque chose avec les autres, tu vois. Je vais mettre la rouge. Toujours dans avec mes idées de probabilité. Ouf, oh là là là. Insérer tel quel. Tourner de 90 degrés vers la droite et insérer. J'ai mis la plaque rouge sur le trou. Ah mon Dieu. Eh, ça va être l'enfer, hein. On va y arriver. On va y arriver, mais grâce à mes pouvoirs de. À la Clément Fraise. Et sinon, on n'irait pas. On irait. Ce qu'il y a, c'est qu'on la voit pas. J'ai mis la plaque sur le trou. Faut qu'on arrive à qu'ils soient tous rouges, j'imagine. Comme dirait mon père, lors de ses orgies, il va falloir aligner les trous, mon ami. Bon, moi, je suis ravi de pas connaître ton père. Non. Les trous des plaques se superposent, on peut toujours voir l'autre côté. Allez, on enlève tout.
Donc, ça va être la merde, hein. Évidemment. Il y a combien de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut 2 à l'extrémité gauche. Ah non. Ok, donc il faut pas qu'on voit le vert. Donc on pose une première plaque, n'importe laquelle. Celle qui a le plus de. Celle qui a le moins de trous, évidemment. Oh non, mais j'ai compris. On va déjà poser celle qui a le moins de trous. Elles ont toutes le même nombre de trous, j'imagine. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà. 4, 5, 6. On pose celle-là en premier. Donc là, il en faut 3 en hauteur. On est d'accord? C'est le minimum. On les a pas. On va pas les avoir. Ça va pas être ça. J'utilise quand même. On va finir par comprendre. Insérer tel quel. Là, on aura un bol monstre. Hein. La rouge et la blanche ont deux trous en commun sur un côté. D'accord. Là, il nous suffit juste de boucher les deux trous du haut. Hein. Donc, ah putain, on peut pas. Ah si, bon, on la met telle quelle. Ben, c'est bon, c'est bouché là. La plaque a été insérée, les trous des plaques se superposent, je peux toujours voir l'autre côté. Ben non. Ah si, il y en a un qui est resté vert. Mon Dieu. Non, 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 je veux juste. Je tente, je la pivote. Ouais, non, mais c'est pas possible. Utiliser. Il va toujours m'en manquer un, là. Il va toujours m'en manquer un parce qu'il y a le. Dans le coin inférieur, j'ai toujours un trou. Je renlève tout. Bon, par contre, ce qui est pas con, en fait, ils ont tous le même nombre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais commencer par la. C'est chiant que ça parle autant, hein. Putain, j'ai envie. Et on aimerait bien aller vite. On est d'accord, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, le sixième, on le voit mal, mais il y en a un sixième. Là, faut qu'on bouche les deux trous. Non, mais c'est. Je les aurai en main. Bon, ça irait vite. Mais là, sur l'écran, je vous assure que c'est pas. Sachant que le premier, on peut pas le faire pivoter. Hein. Ça, c'est ça. Mais il faut que je le retourne complètement à 180 degrés. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. On va y arriver, hein. Le dernier, c'est forcément le dernier comme ça. Je vous dis, c'est. On va le retirer hein, si c'est pas bon. Insérer tel quel. Je retire juste. Ok. Je comprends, hein, si ça dure avec moi, ça va durer 15 ans. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut pas la voir. Si je l'avais en même temps que je vois le truc, il nous en manque qu'un, quoi. Prends ton stylo, ton papier. Non, non, non. Non, il me faudrait que je les découpe, que ça irait très vite comme ça. Mais là, de visu à 21h30, j'ai mis la plaque blanche sur le trou. Il m'en manque. En fait, c'est pas le bon truc à streamer, quoi. Mais bon, j'ai mon temps. Enfin, moi, j'ai mon temps. Je vais le prendre. Il nous en manque un seul. Il est comme ça. Un, deux. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'arrive pas bien à savoir si.
Attendez, attendez, parce que je suis pas con, hein. Je croirais pas comme ça, mais. Il en faut 3. C'est pas la bonne. Il faudrait la tourner juste à 90 degrés, mais c'est pas la bonne. Il nous en manquera toujours. C'est pas le bon ordre. Il faut tout retirer. Faut tout enlever. Ouais, il faut trouver la base. Voilà. Je vais vous les montrer les trois. Mais oui, oh là là. Ça c'est l'ancien gameplay. Tu touches à peine. En fait, elles sont là. Il faut déjà mettre. Il faut déjà mettre celle-ci en premier. Celle-là, elle bouge toutes les extrémités. Et après, il en faut trois par-dessus. Oui, les avoir sous les yeux, quelques minutes, ça fera avancer le schmilblick. Oui, voilà. Vous êtes d'accord que si je mets la blanche en premier, ça nous règle le problème de tout ce qui est aux extrémités, là. Ça nous enlève les. Moi, je suis d'avis de mettre la blanche en premier. Ensuite. Parce qu'avec la grise. Je fais mon idée, puis après vous allez me dire ce que vous en pensez. Il me demande pas, hein. La première, de toute façon, on peut pas la retourner. Nyctara, c'est d'accord avec moi, il faut mettre la blanche en premier. Ensuite la noire, ensuite la rouge. C'est ce que je pense aussi. Il n'y en aura qu'une à retourner. Voilà. Vous voyez, on n'en a plus que deux là. Un en extrémité gauche et un juste en bas. Enfin, je me comprends. Un à l'extrémité gauche. Non, c'est pas bon. Je vais la retirer. À l'extrémité. Attendez, il faudrait que je la retourne une fois. Deux fois, deux fois. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Regardez, si on la tourne encore une fois, on n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas ça. La rouge à 180 sur la noire, je pense, bah, c'est ce que je viens de faire. Et là, si on la retourne encore un peu plus, ça va pas être bon. Oui, la blanche n'est peut-être pas la base. Il y a 90 degrés vers la gauche. Il demande pas, il propose pas vers la gauche. Et ça, c'est que sur la droite. Enfin, peut-être que j'ai mal lu, hein. Je crois que c'est que sur la droite. Ah, c'est tourné 90. Ah oui, degrés vers la gauche. Ah là là, merci. Merci, Léa. J'avais pas vu. Je lis mal. J'ai mis la plaque rouge sur les trous. Ok, on est bon là. Les trois plaques proposées, la clé s'est détachée. Bon, on a perdu un peu de temps, mais grâce à la synergie, tout ça. Bravo Léa. J'avais pas vu la troisième, enfin que ça tournait vers la gauche. Je pensais que c'était toujours vers la droite, et c'est vrai que je suis un peu con parce qu'il y avait trois propositions, donc. Allez Léa, Léa elle a gagné un bisou quoi. Descente de l'échelle, oui. Alors maintenant. Est-ce qu'il faut qu'on le regarde? Alors merci Léa, hein, évidemment. On a la clé à l'acacia. Clé gravée d'une fleur d'acacia trouvée encastrée dans une dalle de pierre. Bon, moi je propose de monter à l'étage. Hein, de toute façon, on n'a que ça à faire. Heureusement que tu m'as dit, hein, parce que on aurait fini par le trouver, mais bon, par élimination, on aurait perdu un temps fou. Allez, moi je la sens bien la clé acacia là. C'est pas grave. Ou on peut ouvrir. Je regarde vite fait sur ma carte. Bah peut-être Ernest. Tout simplement. Il est là, Ernest, hein. Non, je viens de le faire.
Merde. Il m'envoie, il me remet la cinématique. Are you there? Ah, la danse de la victoire. Bravo, ouais. Fais No. danser ton Guess papillon, not. Léa. Ah, moi j'ai un cerf, c'est mieux. Bon. Non, c'est pas là. C'est pas ici. Attends, surtout qu'on peut y rentrer. Non, non, c'est derrière nous. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je me paume vite, hein. Je vais essayer au bout là-bas. La porte était fermée. C'est bon. On avance. Oui, je disais que ça faisait très Resident Evil. Ça me fait même penser au DLC sur Resident Evil 5. Qui était pas mal d'ailleurs. Nightmare, je sais plus quoi. Là, on est dans une chambre d'enfant. Vraisemblablement. J'ai des allumettes. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Là, on a des jouets. Il y a des animaux en peluche sur l'étagère du haut. Rien de très intéressant. Oh, on dirait un ours en peluche. Il n'est pas de grande qualité, mais il est mignon quand même. Je suis sûr qu'il plairait à Laura. Elle adore les ours en peluche. Laura? Mais de qui je parle? Oui, d'accord. Là, c'est méta, là. Il n'y a rien. Petit lit pour enfant. Et là, dans le placard. Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir. Sur la bibliothèque, l'étagère est remplie de contes de fées et de livres pour enfants. Je suis sûr de n'avoir jamais lu ça, et pourtant, ça me paraît familier. Non, là, il n'y a rien du tout. On va retourner la caméra. Ah, il veut pas. J'ai pas remarqué. What's happened? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas peur, c'est la voisine. Ah, ça fait très Resident Evil là. Je n'y vois rien, si seulement j'avais de la lumière. Eh ben. Allez, on s'allume une petite bougie. On craque une allumette. Bon, il n'y a pas une bougie? Bah, si, ici. Voilà. Regardez. On va même pas lire. Vous avez vu ça? Pas du speedrun, ça? On a même pas lu. Il y a quelque chose sous la chaise. Est-ce une carte d'anniversaire? À mon cher papa, joyeux anniversaire de la part d'Amy Baldwin. Alors, c'est la fille de d'Ernest. J'ai la carte d'anniversaire. Peut-être que si on lui glisse sous la porte, ça va peut-être l'émouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une boîte en bois, il n'y a rien de spécial. Un tas de saleté couvert de toile d'araignée, rien d'intéressant. Ça va peut-être l'émouvoir si on glisse la carte, hein? Vous en pensez quoi, hein? Moi, je sens que c'est ça, hein? On peut la regarder d'ailleurs. On peut checker cette carte d'anniversaire. À mon cher papa, joyeux anniversaire de la part d'Amy de Baldwin. Non, mais c'est tout. On la glisse sous la porte. Hein? Ah oui, c'est ça, évidemment que c'est ça. Give it. Qui m'a parlé? Donne ça. Mais encore. Je crois que c'est une mauvaise traduction, hein. Give it. C'est donne ça, mais faut le donner à son père. Daddy. Et voilà. To my daddy. Donc j'avais bon depuis le début, il faut glisser ça sous la porte. J'en ai marre d'avoir raison tout le temps. Oh putain. Et voilà. Et voilà. Petit bouton pour charger. Ce qui nous permet de voir qu'elle recharge gracieusement. Élégamment. Ok, Ernest.
Non, c'est par là. Je commence à me... Oh putain. À me familiariser. Donc Ernest, c'est ça. Hein. Non, c'est l'autre porte. Je vais y arriver un jour. Hein. Je sais pas pourquoi je me dis que la porte, c'est l'autre. Hein? Ça serait pas de le mettre sous la porte. Genre on glisse, vous savez, sous la porte quoi. Oh. T'es tellement content de moi. Ah, c'est ouvert maintenant. Tu t'es fait peur. Maria, tout ce qui l'intéresse, c'est les trousses de soins. Vous avez vu dehors, là, le petit effet de... Le fog, le brouillard. Alors, je le découvre et puis j'y joue dans la meilleure version, c'est quand même mortel. Bon, encore des trousses de soins, mais on n'a pas besoin de tout ça, quand même. Hein. Bon, allez, on va commencer par la droite. Ah, mais merde. Non, mais ça, c'est... Bon, je les écrase avant de les voir, hein, je préfère. Ce qu'on va faire, on est là. Hein. On est ici. On va essayer la laverie. C'est fermé. On va tout faire minutieusement. Maintenant, c'est déverrouillé. Ok. Donc, ça coïncidait. Ok. Oula, oula. Et j'ai l'impression qu'une balle suffit même. Hein. L'ombre du mannequin dans le couloir. J'ai l'impression que même une balle suffit. Qu'est-ce que c'est que cet enfer, F5? Je suis en train de m'aventurer. Qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi là je m'aventure? J'ai envie d'être partir à l'aventure. Je respecte aucune de mes règles. C'est Z qui fait penser au premier Silent Hill et son synthé orgue possédé, ouais. Là, je respecte aucune de mes règles. Normalement, on fait tout bien dans l'ordre. Mais bon, ça donne un peu de charme. Putain, alors du coup, là, je sais pas du tout où je suis. Oula, oula. Il y a une horloge, mais elle n'a plus l'air de fonctionner. Ça ne va pas m'aider. Ah, un petit livre vert. C'est le petit livre vert de Mao. Non, de... Comment il s'appelait en... Je vais vous le dire après. Souvenir perdu. J'ai la plus grande confiance, pour ne pas dire foi, dans le miracle appelé résurrection des morts. Sous la colline où la lumière s'est posée, la bête a entonné son chant. Sous les mots de sang, les gouttes de brouillard et le flot de la nuit, la tombe s'est ouverte. Le peuple pleura de peur et de joie lors de la réunion, mais ma foi dans le salut de Xuxilpapaaba jamais ne se brisa. Légende antique en parla aussi. Les premiers fidèles ne croyaient pas que la mort signifiait la fin. Pour eux, il ne s'agissait que d'un moyen de retourner vers la nature. Ils croyaient aussi que le processus était irréversible. Non, réversible. Il y a quelques pages décrites en bas de la page. Non, il y a quelque chose décrit en bas de la page. Ernest a-t-il écrit ça? Sang égale rouge, brouillard égale blanc, nuit égale noir. Je prends mon petit peuplard. Sang égale rouge, on est d'accord. Hulot. Brouillard égale blanc.
Nuit égale noir. Remarquez, j'aurais peut-être pas besoin de le marquer, hein. C'était un peu simple. Mais bon. Putain, je suis un peu con. Pourquoi j'ai marqué ça? C'est une évidence. Bon, bref. C'est l'habitude. L'étagère est remplie de séries complètes, de livres compliqués. Rien de tout ça ne m'intéresse. De livres compliqués. Le petit verre du, le petit livre vert du lot. Do you Non, non, know a je. little girl named Amy? Votre Why do you fille. ask me that? This letter to my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Yes. Where'd you find that? Up in the attic. What a fool. Now, when it's too late, I finally understand why. Why she was there. Mystérieuse encore, hein? Why she was holding that empty envelope when she fell. Ernest, Amy, she isn't. Ah, elle est décédée. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria? Mais mon nom. Some things we forget, Ah non, on lui a donné. and some things we can never forget. It's funny. I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still. Ernest, I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria, that letter. I'll leave it here. Et voilà, enfin, il glisse sous la porte. J'aime bien avoir raison quand même. Thanks. Bon, on l'a quand même trouvé du premier coup, ce l'Ernest. En allant Maria? n'importe où. So you must be. That's why. That's why you could see me. Huh? So perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? Une sorte de fantôme. Est-ce qu'il y a ma manette s'arrêter? Ah In non. the apartment next door, there's a bottle containing a white liquid. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. Ok, on doit lui ramener un flacon. You want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? If I could, believe me, I would. But I. Ah, il m'intrigue, hein, cet Ernest. En chaise roulante, qu'est-ce qui se passe? Wait. I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? I don't know. Well, that's okay. I don't mind Brouillard. fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Blanc, alors petit rappel, blanc c'est quoi? Maria, Brouillard. thank you. Non, si, brouillard. Bon, on va aller lui chercher son flacon, hein, cet ivrogne.
Il a dit il y a quelque chose dedans, je sais pas trop ce que c'est. On sait exactement ce que c'est. C'est un gnôle. Ernest. Donc maintenant, on va peut-être regarder la carte un jour. Alors, on est où? Il faudra qu'on retourne à la bedroom. D'accord? Il a dit dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qu'elle regarde encore? Le cadeau d'ami à son père, Ernest, trouvé avec la carte d'anniversaire. Je vais laisser ça ici. D'accord? Et qu'est-ce que tu regardes d'autre? Petite coquine. Non, mais c'est tout. Non, non, elle regarde quoi? La lampe? Non, bon. Allez. Allez, on va passer directement ici. Non, mais j'ai fait exprès de regarder mes notes, hein. C'était pour la blague. Quand même. C'était pour la blagounette. Maintenant, c'est déverrouillé. Alors, on va où là? On arrive dans le lit. Ah, bah, c'est le living room. Bon, c'est déverrouillé, très bien. Il y a un flacon dans l'appartement à côté, mais il dit l'appartement à côté. Quand t'as une maison, tu dis pas l'appartement à côté. On est d'accord. Maria regarde la lampe et se dit qu'elle l'a déjà vue dans plein de films, mais jamais dans la réalité. Alors ça, c'est une petite private joke au niveau des lampes vertes dans les films. Bon, je refais une petite save. Et il faut qu'on trouve dans l'appartement. Il nous a pas dit au premier ni rien. Hein. Il nous a rien dit de spécial. Hein. Donc, de toute façon, il y a plein d'endroits où nous ne sommes pas allés. Hein. Oh putain, mais ça c'est dégueulasse. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On rentre quelque part et on se fait agresser. Je ne peux pas passer par ici. Un mur bloque le passage. Ok. Bon, par où on est passé tout à l'heure pour arriver jusqu'à Ernest? Par là, vraisemblablement. Non. Oui, il repop à chaque fois. Hein. Non, bah, on va aller par là. Il y a des endroits où nous ne sommes pas allés, voilà. Par exemple. Je n'ai pas la carte de ce secteur, ok. Il nous a pas parlé d'une bibliothèque? Bon, alors attends, si tu, je te crois, hein, mais je finis juste ce passage-là. Il y a comme une plaque par terre. Ami Baldwin, Dieu l'aimait trop, 7 ans n'ont pas suffi. Il est où là? Ah, moi je te shoote ça. Merde. On va aller dans la bibliothèque. Mais déjà, je veux voir où ça mène tout ça. C'est un vrai labyrinthe, hein. Il va falloir un code ici. Non, même pas. Oh là, on est dehors. Alors quand il dit l'appartement à côté, c'était peut-être vraiment à côté, l'appartement à côté, quoi. C'est-à-dire pas dans sa maison. Vous avez vu sa maison, elle était très jolie de l'extérieur, mais alors dès que tu arrives par ici, c'est pas du tout le même charme. Hein. Keep out of Haunting Mansion. Voilà, moi je pensais bien à ça, que c'était un fantôme, puisqu'il comme il peut la voir, et que Maria elle est morte. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Non, mais elle a l'air un petit peu essoufflée de son aventure. On est en train de lui dégueulasser tout son préau. Une porte, ça? Non. Allez, hop. C'est là l'appartement à côté. Ouais, c'est sûr. On est sur le bon chemin, en fait.
Et on a même la carte. Le Blue Click Apartment. Et bah, c'est le Hood dans le coin. Qui sont les jeunes responsables de ce graffiti sauvage? Bah, on se demande bien. C'est pas Silent Hill, c'est Saint-Étienne. Bon, je les tue pas tous, hein. Nous aider dans l'appartement à côté. Oh putain! Attendez, attendez, il faut déjà qu'on se débarrasse d'eux. Et du coup, on va peut-être pas avoir assez de balles, hein. Oula, oh non, 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 me fais pas de mal. On était déjà venu là, hein. On avait déjà fait le safe. Enfin, je le reconnais, quoi. Un coffre fort, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Bon. Bon, très bien. Mais c'est curieux que leur animation soit stoppée. J'économise un peu mes balles. Hein. Je sais pas combien j'en ai, mais... Mais rien du tout. On se fait un peu de hachoir. Donc il faut qu'on trouve une bibliothèque. Bon, c'est pas là qu'on va trouver la bibliothèque. Hein. Je regarde vite fait la carte. On va tout droit. Juste en face de l'escalier, la 205. Là, on peut jeter un petit coup d'œil. S'il n'y a pas un truc à ramasser, non. Bon, là, c'est rien du tout. C'est verrouillé. Il y a un message collé sur la porte. Cher team, je sais faire. Je sors faire une course. J'ai confié la clé de la maison. À l'oncle David, sous la bite, non, la clé est dans la pièce près de l'escalier du premier. Je reviens dès que possible, ouvre l'œil pendant mon absence. Bon, on se souvient de ça, hein. On l'a déjà fait. C'est là qu'on avait affronté Pyramide. Ouais, ouais. Donc là, c'est pour le petit souvenir. Sauf que maintenant on peut descendre. Check un petit peu. Hein. Voilà qui devrait m'emmener à l'allée qui mène au parc. Mais il faut d'abord que je tienne la promesse faite à Ernest. Ok, donc là il faudra qu'on se casse par là. Donc on va reprendre l'escalier. On a tout checké. Hein. Si. Hein. Non, on n'a pas fait la 209. Je tourne la caméra. Vous avez vu, il y a un petit... Bon, ça c'est pas cool. On va monter. Faut qu'on trouve une bibliothèque. Et il y en a pas. Donc on redescend. Attendez, c'est quoi ce délire? On a bien fait tous les apparts là. Non, on n'a pas fait la 201. La 201, on l'a pas faite. Qu'est-ce que ça m'agace que le premier pour eux, ça soit le deuxième. C'est... Donc à droite. Non, ça c'est la 204. Attends, je suis encore parti dans le mauvais sens là. Non, mais elle devrait être là. Ah non, mais c'est une porte comme ça. Mon dieu. Vous pensez qu'il faut qu'on se refasse encore le truc de la clé qui est dans la pièce à côté Vous savez, là avec le petit mot.
dans un appartement. Il regarde quelque chose. Non. Non, elle est juste fatiguée. Aria. Elle a envie d'abandonner. Je pense qu'il faut peut-être que tu retournes dans le manoir. Limite, aller revoir Ernest pour être sûr de trouver la bouteille blanche. Toi, tu penses que... Ok. Mais pourtant, il... Attends. Je reprends l'exit. Mais vous êtes d'accord qu'il a dit que le flacon se trouvait dans une dans un appartement à côté. Là, on est dans un appartement à côté. Hein. Je suis d'accord qu'il ait pu parler d'une bibliothèque. Mais attendez, là on est où? On n'a pas fait tout ça. Attends, on n'a pas fait tout ça. Non, il a vraiment dit que c'était dans un appartement à côté, hein, je suis pas fou Léa. Cela ton ami, il essaye de m'induire en erreur. Ah, j'ai le liquide blanc. C'est ça, hein? Liquide blanc, petit flacon rempli d'un liquide blanc, roi inconnu, on peut lire je te renie sur l'étiquette, c'est bon. Ouais, je suis d'ac, il faut y retourner, mais il avait dit qu'il allait dégager l'accès aux escaliers d'un truc dans ce genre. Non, vous aviez faux tous les deux, c'était dans un appartement comme j'avais dit. Bon après, oui, il a peut-être dit des choses que j'ai pas retenues, mais moi j'ai retenu c'est dans un appartement, donc on a son liquide blanc. Heureusement que je vous ai pas écouté. On serait retourné voir Ernest, il nous aurait dit d'aller nous faire foutre et qu'on était sourds. Heureusement que je vous écoute pas. Jamais. Le type-ex maudit. Bon, c'est vraiment pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir hein. Que je check les portes. Hein. Non, parce que y a peut-être possibilité d'avoir une autre arme. On en vient hein, là d'ici, oui. Il y a peut-être possibilité d'avoir une autre arme. C'est par acquis de conscience hein, que je fais ça. Bon allez, hop, on se casse. Je vous fais plus endurer. Hop là. J'ai plus du tout peur d'eux. Ok. Mais alors du coup... Comment les ennemis ne sont pas vraiment belliqueux? Non, ils le sont absolument pas. Ouais. Comment on se barre de... C'est une question idiote. Hein. C'est au deuxième étage hein, qu'on peut se barrer d'ici. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça m'agace quand deuxième en fait c'est le premier. Hein, on est d'accord que ça va, c'est ici qu'on peut se barrer quoi. Sur ma gauche. Non, j'ai pas envie de perdre de temps. Bah non. Comment on est arrivé par ici? Ah, non. Je me souviens plus. Comment... Est-ce que vous pouvez me redire comment on est arrivé dans l'immeuble? Par la porte d'entrée, tout simplement? Oui, je crois. Il y a une autre exit ici? Bah merde, je suis pas complètement con quand même. Comment on est rentré? Quand tu descends, l'escalier extérieur. Bah je suis... Ah, c'est là. Il est tard. Toutes mes confuses. Les puristes seront rectifiés d'eux-mêmes en temps réel. Vous le savez. Bon, toi, tu vas prendre pour les autres. Il prend pour les autres. Voilà. Comme ça va arrêter la musique angoissante.
Donc fallait qu'on retourne auprès. Ah, j'ai pas la carte du secteur. Fallait qu'on retourne près d'Ernest. Ernest, on a ta drogue. Bon, ça faut qu'on s'en souvienne, hein. Il y a comme une plaque par terre. Ami Baldwin, Dieu les métros, 7 ans n'ont pas suffi. 7 ans n'ont pas suffi. 7 ans à quoi faire? On sait pas. Cloche du pied un petit peu là. Ok. Donc là, si je me souviens bien, on venait de par là. C'est juste bah à gauche là. Voilà. Ernest? Bon, ça restera entre nous. Ça sera notre petit secret. J'ai Taboutrol. Il veut pas. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but Will. Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Est-ce qu'on va le voir, Ernest, un jour? Do you believe in fate? Pourquoi pas? Not really. Moi, j'ai pas trop le temps en ce That's moment. fine then. Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James, he's a bad man. James. Bah, c'est sympathique pour nous. Très mystérieux, hein, quand même, hein. Tout est enveloppé de voile. Comprend qui peut. Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you know something? Yes. Maria. You're. Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. That's fine. Okay. On peut rentrer. Ernest? C'est un espèce de manchot borgne. Dégueulasse, avec un slip sur la tête. Qui nous fait croire que c'est un bel âtre parce qu'il a une belle voix. Vous allez voir. Je me trompe rarement. Le dessin, il est même pas très très bien fait, hein. Il est pas très regardant, Ernest, hein. Moi, mon gamin, il me fait ça, c'est trois taloches. Il revient quand il me dessine quelque chose de correct. Un dessin correct.
dis donc. Voilà. Très énigmatique. Ah, on retrouve notre... Je me souviens, moi, de ce tag, qui est bien plus mignon. C'était dans la partie 3, ça. Du walkthrough de Silent Hill NNC Edition. On se souvient très bien, c'est moi qui l'ai monté. Ah bah d'accord. Ah, on était à 4. Ça aurait pu être vrai, mais on en est à 4. 4 fois elle s'est fait tuer. 3 fois déjà elle s'est fait tuer. Ah finalement non. Ah, c'est plus difficile qu'on ne le pense, hein. Très bien. Elle a envie d'aller de l'avant. C'est une bonne chose. Jay. Voilà, c'est ça. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Voilà. Je vais baisser un petit peu le son. À moins que vous m'entendiez bien, dites-moi sur le chat. Ok guys, I got a back to William supprimé, Nictara San Bossan. Thanks to you William, see you soon. Thanks for the follow. Bye bye. Bon, c'était un petit add-on. Attendez, je retourne sur mon... Si j'y arrive. Excusez-moi pour cet inc. Voilà. Normalement vous devriez mieux m'entendre. Bon, c'était un petit add-on. Ça nous a pas. Là où je suis déçu, c'est que ça nous a rien appris en fait. Voilà. Ça fait vraiment DLC. Bon, c'était gratuit sur le Director's Cut. C'est toujours sympa, mais bon, je suis un petit peu déçu. Alors donc, Léa, j'ai encore besoin de tes lumières. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qui est Ernest? Qui est Ami? I watch you. I'll watch you, Sebastian. Bye you soon. Enjoy your time. Thank you, William. See you soon. On le retrouve dans les autres jeux? Non, on les retrouve pas dans les autres jeux. C'est vraiment comme un DLC, en fait. Un petit plus. Mais là où je suis un petit peu déçu, c'est que, comme je viens de le dire, c'est que ça n'apporte rien. Je pensais que ça nous apprend quelque chose en plus sur Maria. Mais étant donné que là, elle fait l'amnésique. Enfin, elle est amnésique. Elle se souvient pas de Laura. Elle se souvient pas de James. C'est vraiment... c'est même décevant. Je comprends que dans la communauté du jeu vidéo, on en parle peu. Bon, c'est bien de l'avoir fait, c'est bien de l'avoir, mais ça n'apporte strictement rien. Si ce n'est qu'un petit peu de plus de gameplay. Et puis... non, je suis déçu. Ça partait bien, et puis en fait, ça nous apprend rien de nouveau. Mais... En fait, ça révèle que Silent Hill 2 tient tout seul en un seul bloc. Il n'a pas besoin qu'on rajoute du lore ou quoi que ce soit. Je pense que... On voit... En fait, ça fait pièce rapportée, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait genre... on a rajouté quelque chose. Ça fait vraiment DLC, quoi. Ça n'a pas été pensé en amont. Ça a été fait après que le jeu était fini. Hein. On dirait une piste instrumentale sur une phase B. Voilà. Ou alors littéralement, Maria, née d'un souhait, la ville ou un dieu, j'ai créé de toutes pièces. Bon, non mais ça fait vraiment DLC, quelque chose qui a été créé après. Voilà, j'ai le mot, ça fait fanservice. Voilà. Hein. Là, on est dans le fanservice. Ils ont rajouté cette petite extension pour les fans, histoire d'incarner Maria. On n'apprend rien de plus. Certes, c'est très agréable de jouer un petit peu plus, de l'incarner, mais le supplément d'âme n'est pas là. Non, ça n'apporte strictement rien en plus au jeu. Oui, Bambina, c'est fini.
Ça vient de se terminer, on a mis 1 heure et demie pour le... pour faire le... cet add-on. Cette sub... ce sub-scénario, comme ils disent, sur le... sur l'écran... l'écran menu. Pour comprendre les liens entre tout le monde, faudrait que je relise mon bouquin sur Silent Hill. Non, mais... non, non, véritablement, je pense que c'est... c'est un stand-alone. Enfin, pas stand-alone, mais c'est vraiment du DLC... fanservice. Et on a encore droit au, au crédit de la Silent Hill team là, qui s'occupait de la NN's Edition. Enfin, c'est pas la Silent Hill team, mais je veux dire de l'équipe qui s'est occupée de la NN's Edition a travaillé naturellement aussi sur ce Born from a Wish. Donc un peu déçu, oui. Si ce n'est que bon bah le travail est joli, c'est propre, la maison est sympathique, mais on aurait voulu que ça dure plus longtemps et que surtout qu'on apprenne beaucoup plus quoi. Bah oui Bambina, tu arrives un petit peu tard. On commence à 21h toujours. Alors quel prochain jeu du soir bosseront? Bah je ne sais pas. Je suis tenté de faire Silent Hill 3. Faut pas te mentir. Ou alors Amnesia. J'ai jamais fait Amnesia. Je vais regarder ça. Peut-être que demain il n'y aura pas de stream du coup. Il faut que j'installe tout. Enfin, de toute façon, j'annoncerai sur mon... Je vais repasser en main cam. J'annoncerai sur mon... Instagram. Bosseron14. Je mettrai une petite vignette de ce que je compte faire. Alors, j'adore Isaac, Bambina. J'ai dû passer plus de 300 heures et je n'y joue plus, là. Et quand je dis 300 heures, véritablement. Sur la Switch... Enfin, déjà sur la PlayStation... Sur la PS Vita... sur la PS4 et sur la Switch, j'ai passé plus de 300 heures sur Isaac, Banning of Isaac. Donc je n'y jouerai pas. C'est terminé pour moi, Isaac. Et... excellent jeu, hein, que je recommande à tout le monde. Oui, bon, bah Silent Hill 3, Léa a l'air d'accord. Moi, je trouve que ça serait bien de se lancer sur le Silent Hill 3, sachant que vous avez tous les deux, enfin, vous avez fait le Silent Hill 1, donc on pourra comme ça continuer. Mais peut-être autre chose, je ne sais pas. Alors attendez, là j'ai mon classement qui a changé. Alors le résultat en normal, niveau d'énigmes, fin, bon là il n'y a rien. De toute façon, fin inconnue, il n'y en a qu'une seule. J'ai fait 4 sauvegardes. Objet 48. J'ai battu. Ennemi battu au tir, j'en ai tué que 2. Ennemi battu au combat 21. Temps de. Voilà. Bon bah c'est tout, hein. C'est tout. Non, non, vraiment du fan service. Mais bon, c'était sympa de le faire et de le streamer. Voilà, j'en suis content. Silent Hill 3, allez. J'avoue avoir été un peu déçu par celui-là. Bah, il est un peu plus action, mais j'en ai un bon souvenir quand même au niveau des énigmes. Puis graphiquement. En plus, là, on va être sur PC, donc il va être quand même un peu plus rehaussé par rapport à la version PS2. Bon, ça risque pas d'être aussi... Mais peut-être que ça va être aussi joli que ce qu'on vient de faire, hein, vu qu'il y a, un décalage entre Silent Hill 2 et Silent Hill 3. Moi, je suis bien tenté. Allez, optons pour Silent Hill 3. On va rester là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'être passés, tous. Je vais vous laisser sur mon excellent générique. Puis voilà, on aura streamé 1h40, comme d'habitude. Mais je partage votre sentiment. Nous sommes déception. Hein, un peu déception. J'espérais véritablement que ça invente du background et puis ils ont préféré toucher à rien, voilà. Ils ont préféré toucher à rien. On aurait pu l'écrire, hein. Voilà. Comme ça, Silent Hill 2 reste monolithe, rien ne change. Il touche pas du tout à l'histoire. Allez, bonsoir à tous et puis bah, je vous laisse, oui, voilà, sur mon excellent générique. Allez, merci à tous d'être passés. Tchuss.
as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment.